Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée en live. Ce soir, on joue à Man of Medan une nouvelle fois. Ça fait quelques runs qu'on fait, et cette fois-ci, on va essayer d'avoir la pire fin du jeu. Tout le monde meurt, c'est le but du jeu, mais tout le monde meurt d'une manière, je vais pas vous dire comment, mais pas juste en ratant des QTE, quoi. Donc voilà, j'ai toute une procédure à suivre sur le jeu. Salut Kalyorn, bienvenue, comment vas-tu? Et du coup, on va essayer de faire ça. Pour le reste de la semaine, du coup, demain, on aura du Death Stranding, épisode 10. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on aille chercher Mama. Du coup, on va voir ça. Et vendredi, on fera du FF7, toujours avec le mode HD. Ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé dessus, donc c'est assez cool. On fera le Mon Email, le Gold Saucer et la prison du Gold Saucer. Et enfin, dimanche, départ de l'exploration sur Elite Dangerous Odyssey. On part vers Crab Nebula. Bien. Eh ben, écoute, tant mieux. Impeccable. Alors, je vais lancer le jeu. Et puis, on va partir assez vite parce que c'est un petit peu long. Donc, il y en a pour 4 heures. Surtout tout seul. Je crois que c'est un petit peu plus long quand on est tout seul. Donc c'est pour ça qu'on va commencer assez vite ce soir et je commence un petit peu plus tôt que d'habitude. De toute manière, normalement si tout se passe bien, c'est à la fin que ça se jouera. Donc le début du jeu, ça va ressembler à ce qu'on a fait sur les runs précédentes. Notamment celle avec Keto qu'on a fait, qui nous a servi pour le film du jeu. Et qui m'a servi pour le film du jeu. Où bon, on a fait la fin parfaite. Que vous retrouvez sur sa chaîne d'ailleurs. Sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai sorti le film du jeu la semaine dernière sur ce jeu-ci. Donc pour le film du jeu, comme je disais, on a fait avec Keto la fin parfaite. Donc tout le monde a survécu. Donc ça, nickel. Et aujourd'hui, on va tenter de faire tout l'inverse. Allez, jouez seul. Et on va attaquer directement. Moi, je joue avec une manette PlayStation, du coup. C'est parti, nouvelle histoire. Version cinéma. Et c'est parti pour Man of Medan. Bon, j'avoue que je vais aussi passer assez vite, je vais pas chercher les secrets tout ça aujourd'hui, à part ceux dont j'ai besoin, ou ceux où je tombe juste devant, mais je vais pas faire de la recherche, on va tracer un peu dans les couloirs quand même pour arriver à la fin. Assez vite. Je perds pas de temps inutilement, c'est ça. Ah, c'est parti, je crois qu'on commence avec Charlie du coup. Allez mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh. Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je me battre. Hé! Hey, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ah non, on commence avec Joe, pardon. Charlie, c'était l'autre. Tu es prêt? Ah, je prends toujours le fils, donc je vais prendre l'autre. Donc, quand est-ce que je vais toucher le gros lot? Tu vois, la gloire et les pépettes. On va prendre le bambou. J'ai envie de voir si ça va changer un petit peu leur histoire à eux ou pas. Ben, on dirait un poisson. Ni de 财富,
可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 La ruine? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Hey, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? Me battre? Ouais. T'es une autre pièce? Ta note s'allonge. Bon là, on a encore le tuto à refaire. T'as du coup, évidemment. La chance. Facile. On dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. J'ai pas raison. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2! Cale numéro 2! Cheers. Ça l'a fait plusieurs fois, donc je commence à connaître les répliques. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Normal, ouais. Ah bah ça doit être la 6 ou 7ème run du coup que je fais dessus. On a un petit peu galéré à avoir la fin parfaite avec Keto, donc bien que ça va être au moins 3 runs. Bah voilà, et j'avais fait déjà une première run tout seul, une run avec lui l'année dernière. Donc 3, 5, 6, ça va être ma 6 ou 7ème run en fait. C'est ça, que j'avais fait d'abord tout seul, il y a un an de ça. Ensuite, quelques temps après, j'avais fait avec Keto une première fois. On a dû le faire 3 fois pour réussir à avoir la fin parfaite parce qu'on était parti sur un mauvais truc au départ. Et plus ça. Thank you.
connais bien. Ouais, je commence à connaître un peu là. Même si en fait il y a des runs que j'ai fait moins souvent, notamment avec Conrad. C'est Keto qui l'utilisait et moi sur ma run où je devais gérer Conrad, et ben on l'avait fait partir sur le bateau. Du coup celle-là je peux me faire encore avoir. Même si du coup vu que j'ai fait, et j'ai fait en plus le montage du film donc c'est vrai que j'ai dû regarder un peu toutes les runs, on va dire que ouais, je commence à bien connaître. Mais là voilà, j'ai envie de faire un truc différent. Parce que jusque là c'est vrai qu'on essayait toujours de sauver tout le monde. Là, on va faire un truc différent. J'aimerais bien ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choix possibles. C'est ça, il y a l'air d'avoir pas mal de choix. Il y a 14 fins possibles je crois. On en a vu plusieurs, mais la pire fin je l'avais pas encore faite, donc voilà. Je sais qu'il faut faire aussi une fin où il y a que soit les garçons, soit les filles qui survivent. Ça on verra peut-être plus tard, mais pas tout de suite en tout cas. C'est 3-4, non il me semble qu'il y a 14 embranchements. Alors, il y a des fins qui se ressemblent, parce que c'est des embranchements en fait qui font qu'il y a des dialogues qui changent un peu, mais il me semble qu'il y a 14 fins différentes. J'ai cru voir. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Mais je vais essayer de pas avoir de... de pas perdre de personnages à cause de QTE, par exemple. Sauf si besoin dans mon... dans ma procédure, mais voilà. Normalement, je peux faire... une bonne partie du jeu en fait sans perdre personne et il se passera des choses après. Mais je vous dis pas quoi. Ah ça c'est le QTE que j'aime le moins par contre. Ah ça je me demande en fait ce qui se passe si je rate celui-là. Est-ce qu'il me tue direct ou pas lui? Est-ce que vous voulez qu'on essaye ça? J'ai jamais raté celui-là donc je sais pas ce qui se passe. Dites-moi vite, par contre. Ah, dis-moi vite, du coup, Kaylor, si tu veux qu'on essaye. Allez, je rate. Je voulais voir ce qui se passe. Ok, il se passe rien. C'est pas grave, t'inquiète. Je vais peut-être essayer quelques trucs quand même sur cette run, du coup, quand même, pour voir un peu. Pardon, on l'avait, avec Keto on l'avait jamais raté. C'est le premier, il est assez simple. C'était quoi? Bon, le seul truc c'est que du coup je sais où sont les screamers hein, donc voilà. Enfin, au moins en tout cas sur le départ. Hey. Et après, Charlie, s'il y a les embranchements qui changent, il va peut-être y avoir des nouveaux qui vont réussir à me faire sursauter quand même. Voilà. Oh putain, non! Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. J'attends de voir le sursaut, d'accord. Ah bah après, il est possible que j'en oublie un à un moment et que ça me fasse sursauter quand même. Je sais qu'il y en a un qui m'a fait sursauter alors que c'était... C'est qui cette fois? Pendant que je suis en train de monter le film. Putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Mais s'il y a un vrai sursaut, n'hésitez pas à clipper, hein. Ouais, mais c'est sur la partie Conrad, comme je disais, en fait, je n'ai jamais joué Conrad à l'intérieur du bateau, donc voilà, je me suis fait surprendre. Alors là, je vais clairement plus vite, hein, par contre. C'est moi? Il y a vraiment une atmosphère bizarre ici. Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère?
Hey, Chuck. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici! Oui, ici, je me demandais par exemple si ça allait changer. Parce que d'habitude, je prends toujours, quand on fait les prédictions, le gamin. Ah. Non, c'est pas vrai. Charlie! Bon alors en fait c'est Charlie qui va se coucher. Là-dedans en fait hein. Mais bon. Est-ce que t'as fait les autres jeux de la Dark Pictures hein? Je sais que j'ai beaucoup aimé Little Hope aussi. Lui m'a fait beaucoup plus sursauter. Ah oui, ça j'ai bien aimé, mais c'était un petit peu différent, je trouve. Allez, puis on arrive au meilleur moment du jeu, la chanson du conservateur.
Ouais, elle est vachement bien cette musique. T'as jamais joué à cela, t'as juste fait un tilt down. J'ai fait un tilt down, mais j'ai trouvé moins bien. Je trouvais que c'était du screamer pour avoir du screamer, je trouvais. C'était un petit peu dommage à mon goût. Et bienvenue dans ma collection. Mais c'est vraiment, on sentait bien que c'était déjà un prélude à la Dark Pictures Anthology, quoi. Mais Little Hope est vachement bien. Le conservateur d'histoire. Ah, fasciste aussi, j'ai beaucoup aimé. Histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront. Et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie, ou bien plutôt, de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions, ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inéluctable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ouais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ou le chaos que vous aurez causé.